Ce samedi 4 mars, à l'issue de la diffusion des auditions à l'aveugle de The Voice, une candidate qui n'a pas retenu l'attention des quatre jurés a forcé l'admiration en livrant un message déchirant sur la toile. C'est le rendez-vous du week-end. Ce samedi 4 mars, le deuxième volet des auditions à l'aveugle du télécrochet The Voice a une fois de plus tenu en haleine les téléspectateurs de TF1. Et si de nombreux jeunes talents ont réussi à susciter l'intérêt des jurés, Vianney, Amel Bent et les deux frères et petits nouveaux Big Flo et Oli, d'autres, en revanche, sont repartis bredouilles. C'est le cas de Taïki, souvenez-vous, avait bouleversé les téléspectateurs de l'émission Reportage Découverte, le 25 février dernier. Je n'abandonnerai pas malheureusement pour Taï, les auditions à l'aveugle diffusées ce samedi 4 mars sur TF1 ont marqué la fin de son aventure dans The Voice 2023. Et si la déception et la tristesse étaient au rendez-vous, la jeune chanteuse du métro parisien ne s'est pas laissée abattre pour autant. Jour 396, le lendemain des auditions à l'aveugle. Je rentre dans mon camion le cœur lourd. La porte ne s'ouvrira pas pour moi ce soir, encore une fois. Malheureusement, personne ne s'est retourné. Mon combat ne s'arrête pas là, bien au contraire. Il me renforce et me donne encore plus de rage, a-t-elle écrit, en légende d'une émouvante vidéo d'archives, partagée sur son compte Instagram. Après quoi, elle a ajouté, « Dans quelques jours, je vais récupérer mon camion qui était en réparation. Il va découvrir ma nouvelle coupe de cheveux et je sais que lui et moi, nous repartirons plus fort. Je n'abandonnerai pas. » Et si ce message a certainement fait pâlir les plus pessimistes de la toile, d'autres, en revanche, ont salué, admiré et encouragé la détermination et le talent de Taï. Tu es faite pour ça, tu as été magnifique. Si les larmes de Taï ont ému les internautes, ces derniers se sont rapidement ressaisis pour adresser tout leur soutien à la jeune femme. Continue, tu es faite pour ça. J'aime croire que cela fait partie de ton parcours. Tu vas pouvoir te relever plus fort et viser encore plus haut, tu as été magnifique, comme toujours. Ne doute pas de toi ni de ton talent, être arrivé aux auditions à l'aveugle est déjà magnifique et tu te prouves une nouvelle fois que tu es une superbe interprète, ce n'est pas celui qui gagnera The Voice qui percera. C'est celui qui chante avec ses tripes, a-t-on pu lire dans les commentaires. Et quelque chose nous dit qu'on n'attendra pas très longtemps avant d'entendre une nouvelle fois parler de Taï. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Viewsis post ton Instagram à post shared by thais@taisofficiel, à lire aussi Micha, The Voice 2023, j'avais ouvert une cagnotte pour récolter un peu d'argent.